Damien, j'ai acheté du canard. T'aurais pas une petite recette sucré-salée à me proposer? Bien évidemment, je suis là pour t'aider. On va faire un des grands classiques de sauce sucré-salée. On va faire un canard à l'orange. Super. Ok. J'adore ça. Regarde, j'ai acheté deux jolis filets de canard. C'est pas des magrets, d'accord? Un filet de canard. L'intérêt du filet de canard, c'est qu'il est charnu et puis il n'y a pas trop de gras. D'accord. Regarde. Un petit peu de sel côté gras. Je retourne le canard. Allez, côté peau dans une poêle sans matière grasse, feu moyen, et on va cuire 3 minutes à feu moyen côté peau pour rendre la peau vraiment croustillante. On retournera les magrets, 2 minutes de cuisson, à tout de suite. Voilà, les petits filets de canard, regarde, sont cuits. On les débarrasse sur une grille, c'est important pour les laisser reposer, le temps de faire la sauce. Super. Je vais évacuer le surplus de gras. Je vois que tu te débrouilles très bien tout seul, mais je peux t'aider à faire quelque chose? Ah oui, oui, vraiment, tu peux m'aider, tu peux aller faire la plonge, s'il te plaît. Ah! Ah non, non, je dis non, je veux non. tu vas faire la sauce, ok? Oui, c'est déjà bien. On fera la plonge ensemble. La gastrique, tu vois, c'est un petit caramel. Vas-y, tu mets du sucre au fond de la poêle. Ça va bien à plat, comme c'est ton sucre. Voilà, et on va faire caraméliser le sucre à sec dans la poêle. Tu sais, comme quoi, elle sait faire autre chose que la plonge. Ok? Alors, on continue. On attend que ça caramélise. Très bien. Tu vois, petite, là, ça, c'est important. Parce que si t'as pas le caramel, tu vois, ben, ça va être trop sucré, d'accord? Donc ça, retiens ça, ok? Après, maintenant, on va mettre du vinaigre de vin rouge. Voilà, et là... C'est le drame. Enfin, tout à fait grave. Et là, on va faire évaporer le vinaigre. Ça, ça s'appelle la gastrique. Et ça, tu fais les sauces sucrées salées suprêmes. Voilà, c'est bien évaporé. On n'a plus ce côté vinaigre agressif. On va mettre un petit jus d'orange frais, d'accord? Ou alors du commerce. Allez, vas-y. Moi, je vais mettre, c'est optionnel, mais un tout petit peu de Grand Marnier de liqueur d'orange. Je vais mettre un petit peu de liqueur d'orange. Et là, pareil, on va faire réduire ça jusqu'à une consistance si on le peut. Tu vois, Nathalie, c'est quand même beau une sauce qui s'évapore. Hein. C'est un peu comme la vapeur de l'espoir. Regarde, tu vois, c'est ça une sauce sirupeuse, c'est ça, tu vois. Et là, maintenant, on va rajouter un petit fond. Alors, de canard, de veau, hein, d'accord, légèrement lié. D'accord. Et là, pareil, réduction, jusqu'à une consistance nappante. Allez, hop. Petit zeste d'orange, on y va, on rigole pas, pas trop, hein, voilà. Là, t'as la râpe parfaite. Voilà, tu caresses le derme de l'orange. C'est important, ça. Non, la sauce est nappante. Je vais goûter. Mmh, mais c'est super bon. Ouais, ça s'appelle être cuisinier. Ok. Et là, on remet les petits filets de canard dans la sauce nappante. Et on va les réchauffer 30 secondes tu vois, dans le jus. Et on va les servir par exemple avec des petites pommes gaufrettes ou des pommes sautées. Ça va être super bon. Maintenant, je connais le secret de la recette sucré-salée. Alors maintenant, c'est à toi.